Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Saga Throne of Britannia pour le 9ème épisode avec le roi Flensina de Mid. Alors j'ai une petite annonce spéciale à faire avant cette vidéo, donc ça concerne Total War Coliseum qui cherche à organiser des tournois multijoueurs en ligne de façon assez régulière, par exemple mensuelle. Il peut y avoir différents opus, donc nous avons actuellement Total War Rome 2, Total War Attila, la saga Warhammer et Throne of Britannia. Pour les anciens Total War, donc on laisse ça un peu de côté malheureusement pour le moment. Pourquoi pas un jour revenir dessus. Et en fait, Total War Coliseum a concocté un petit questionnaire pour savoir ce qui intéresse les gens, des prix par exemple pour les tournois, s'il faut payer la participation au tournoi, par exemple 1 € symbolique, des choses comme ça, et si vous accepteriez d'être sponsorisé par quelqu'un ou non. Voilà, donc je vous mettrai le lien de ce questionnaire dans la vidéo et sur les prochaines vidéos, jusque peut-être pendant toutes les vacances, qui sait, les vacances estivales, donc jusque fin août. Voilà, fin de la petite annonce. Donc on reprend notre campagne. Donc la dernière fois, on avait récupéré les villages ici, donc entre Waterford et Wexford, et on avait l'armée principale du Khaizil qui s'est mise entre nos forts, donc ça pourrait être intéressant de la détruire. Et ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, vu qu'il nous reste entre guillemets 8 tours de répit avant le prochain conflit, donc avec eux par exemple, je vais devoir faire attention à Ildek parce qu'il risque de me trahir, il en serait capable, vu que ses relations avec moi se diminuent un petit peu, donc on est passé de 62 à 44. Je vais essayer de lui proposer un petit paiement, ou je vais arranger un mariage avec une moche non merci, ou demander un cadeau, exiger un paiement de 300. Non, il voudra pas. C'est pas grave, donc on va essayer de trouver des alliés ailleurs. Que me vaut votre... Ou un petit peu d'argent, qui sait. Cela n'arrive pas. Alors, arrangeons un mariage par exemple. Brutal. Non. Bon, bah je crois que les alliances, ça va être un peu compliqué. Donc on va devoir faire attention. Nous avons 8 tours de répit. Donc ce que je suis en train de développer actuellement, c'est la cavalerie entraînée pour améliorer mes unités de cavalerie. Donc cavalerie tirailleurs plus cavalerie de mêlée. Et je pense que la seconde technologie que je vais développer, ça serait les maîtres de la guerre projectile, donc pour que nos cairns deviennent des cairns des bois, donc des javelots encore plus performants. Niveau construction, j'ai pas grand chose à faire vu mes revenus, c'est un peu de la dèche en ce moment. Donc voilà, voilà. Donc là je vais voir. Je vais surveiller un peu l'armée de 20, ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va. Elle est bien entraînée, beaucoup d'expérience. Mais je pense que si j'arrive à combiner mes deux armées, je devrais pouvoir la détruire assez facilement. Et à Kelsey, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est peut-être il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté. Mais là, la prochaine guerre, le but, ça serait de terminer un des vassaux du Kelsey, donc Tuan Mouma, donc qui possède Tuam Grain et le village de Inis Kateg. Donc dans les deux cas, ils peuvent y aller, je pense, tous les deux. Donc lui, il avait fini son mouvement. Ou alors j'emmènerai bien celui-là de Lokrek à Kaer Moon, j'alterne avec lui et on attaque. Ça peut être un plan. Donc, nous sommes en été, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc ce sera tout pour ce tour. Et beaucoup de factions ont disparu maintenant. Les grosses factions émergentes, donc c'est les anglo-saxons, il y a nous qui sommes les deuxièmes derrière eux. Je regarde un petit peu le classement pour voir ce que ça donne. Et là si on pouvait accumuler assez de sous pour améliorer toutes nos unités de cavalerie... dans nos armées principales, ça serait l'idéal. Donc lui, il s'en va vers le Pays de Galles, ça m'arrange. Atoll n'existe plus, très bien. Une guerre est déclarée entre les Saxons et Emilibourg. Au passage, je crois avoir vu quelque chose sur la carte qui m'intéresse aussi, c'est que dans le comté de Yarmouma, des rebelles irlandais ont pris le contrôle du village d'Arfer. Donc c'est toujours intéressant de savoir ça. Ça pourrait nous forcer à pousser vers le sud. Alors, notre gouverneur a gagné un rang. Bah, plus de taxes hein, en attendant. Plus de taxes passives par là, c'est toujours utile. Donc là, c'est un général, j'ai augmenté sa portée de campagne. Excellent. Ouh, il y a une deuxième armée qui se forme ici, attention. Il va falloir être très prudent avec ça. Et là, des pertes commencent à se faire sentir du fait que l'ennemi n'a plus de ravitaillement, ce qui est plutôt intéressant. Ok, donc là je vais rien faire de plus, je vais passer les tours. Attention toutefois au coup de poignard dans le dos.
Déjà, virer un des vassaux, ça serait excellent, du coup ça affaiblirait sa position. Mais il faudra faire attention à notre vassal Eilek qui ne nous lâche pas non plus, parce que vu comment on part la diplomatie, ça sent mauvais, hein, qu'on se le dise. L'opulence. Donc plus 1 en influence et plus 1 en gouvernance. C'est qui? C'est le gouverneur de Waterford. Excellente nouvelle. La ferveur de guerre est bientôt à zéro. Mes guerriers sont sans égal. Bon bah laissons-les s'affaiblir tranquillement. Donc encore 6 tours à tenir. Nos armées qui se forment progressivement. Je pourrais améliorer mes unités, mais vous avez vu le prix, ça coûte très cher. Alors je vais tout de suite faire mon interversion des deux armées. Il pouvait y aller ou pas lui? Non, il pouvait pas y aller. En revanche, si je me mets là, on va voir. Excellent. On accumule les sous. Par contre, l'armée là, elle revient en masse. J'espère qu'elle va tout de suite, ça nous embêterait un peu sinon. Après, au pire, il pourrait récupérer le village de Selkaining, ça me dérangerait pas plus que ça. Comme ça, nous, avec l'armée de Flan, on fonce vers le nord et on s'occupe de lui. L'armée là mange beaucoup, souffre beaucoup aussi. Hein. Attention à des Smouma. Alors, qui a gagné un rang? Personne. Ah si, c'est le gouverneur Donka, donc plus d'argent. Là, on a beaucoup de passages de niveau, on est plutôt chanceux de ce côté-là. Ah, lui, il peut pas y aller. Ah, mince. Bon, pire, je vais les mettre là. Alors, niveau diplomatie, ça se passe, ça se dégrade toujours avec eux ou pas? Ah, ça a remonté un peu, ça va. Argalia qui n'a plus de territoire, pardon. Allez-y. Donc dans 5 tours, ce sera bon. Très bien. Je vais surtout améliorer en priorité les armées de Flan et du deuxième général. Lui, je sais pas où il va, mais ça m'inquiète un peu. Mais bon, même si son ravitaillement commence à manquer, je vais le suivre un peu à la trace. Je n'ai absolument pas confiance, hein, qu'on se le dise. Les pertes sont lourdes, ça c'est excellent. Pourquoi pas attaquer ici, hein, Lismore et Ardmord. Ça pourrait être intéressant. Et là, je vais mettre en position pour ce village. Donc, je vais me mettre là. Et lui, il va avancer. Alors, il faudrait combien de tours? 2 tours. On va le mettre là, à la frontière. Si on fait une guerre éclair assez rapide, ça serait idéal, mais... faudra faire attention. J'aurai surtout l'armée qu'il y a ici. Donc Flan, là, il peut être un peu tranquille pour l'instant. L'armée là, elle est à moitié formée. Et il est chez lui. Parfait. Après, deux villages par-ci, par-là, par guerre, c'est toujours intéressant. Ce sera peut-être long, mais... pour moi, c'est la seule méthode. Et surtout, je pense que si je retire... je prends les dernières cités de Duamuma, machin chose. Je pense que... je pense qu'il y a moyen quand même d'être tranquille et de détruire un des vassaux. Donc lui, il avance, c'est bien. Il revient victorieux du Pays de Galles. Bébin est mort. Oh. On perd de la légitimité. Mmh. Ah, un des états du Wessex déclare une guerre d'indépendance. Très bien. Alors, bon, on va booster le scribe. Organe 600. Il y a une nouvelle technologie. Améliorons nos javeliniers. Alors, l'armée de Flan, on va améliorer la cavalerie. Combien ça nous coûte? 150. 456, ça va. Par là, pareil. En revanche, je crois qu'il va me falloir un lancier supplémentaire. Alors lui, je vais le ramener en réserve. Lui, par là. Alors, je vais faire...
Je vais mettre 4 unités de Kiarna en relis, ils sont très bons. Bah 3 déjà pour débuter, pardon. On les combine. Hop là, ça nous fait une unité quasiment complète. Et notre cavalerie est plus performante ici. La même chose. Et il nous faudra recruter des lanciers dès que possible. Alors, 4 tours, allez. Dommage qu'il n'y ait plus les modes de pillage et autres, ça aurait été marrant. Après je peux comprendre que j'ai un peu maltraité mes alliés entre guillemets, mais bon, ils m'aident pas non plus. Hein. Oh punaise, lui il est vraiment dans le rouge quoi. J'aimerais pas être à sa place. En revanche, attention à Desmouma. Alors, vos origines ne seraient pas si nobles que ça, ouais. Les ignorer. Deux pour... Comme ça, moi, je gagne en influence et l'autre, il en perd. Un petit peu, faut être un peu malin. Bien, toujours rien à faire. Là, il a une deuxième armée complète, lui. On a encore deux unités de réserve ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La cavalerie de javelot, c'est nickel. Ce qui nous manquerait, ce serait des unités de... comment ça s'appelle? Genre des Fianna ou des Kiarn à la hache, même s'ils sont, ils sont moyennement bons. Mais ils percent bien l'armure, donc ça peut être, ça peut être une solution. Les Shengir, je suis pas fan, sur dans le jeu. Donc 3 tours, il nous reste, très bien. J'espère juste que nous n'aurons pas de mauvaise surprise d'ici là. Et puis ça nous permet de nous développer technologiquement. Ouh, lui je sais pas ce qu'il fout mais ça m'inquiète un peu. 3 tours, ouais. Il revient où lui? À Cortage. Ouh, attention. Alors, gouverneur il gagne un peu plus de fond et lui pareil. Donc là on est un petit peu dans le dur, je sais pas ce qui se passe. Bon, ça arrive hein, malheureusement. Son ravitaillement commence à être bien faible ici. Par contre les 14 là bas je sais pas ce qu'ils font, mais ça ne présage rien de bon sincèrement. Bon, je vais essayer de passer où? Par ici. Bon, je m'en fous. On va se mettre là en attendant. Et on va attendre le temps que... Ah, on a terminé la communauté de Saint-Kiran. C'est plutôt pas mal à... dans notre capitale. On a une petite garnison correcte, mais sans plus. Je n'ai aucune autre armée dans le nord, j'ai l'impression. Non. Allez, plus que 2 tours. Espérons qu'on n'ait pas de surprise. Pas de retournement de situation assez surprenant, on va dire. Oh, il y a du monde ici. Ah, lui, il s'égare, je ne sais où. Pourquoi pas. Bedeborn n'existe plus. Rébellion galloise encore. Ah, ils sont bien amouchés quand même. Alors, est-ce qu'il vaudrait mieux pas alterner finalement? Moi, je pense que ça serait plus prudent que mon armée là revienne et celle-là par ici. Donc, ça nous fait quand même. Il faudra juste un tour pour prendre les deux derniers villages. Il faudra juste être prudent avec ça, c'est tout. Il y a le village là de Seiger, donc ça nous menace notre capitale, j'ai l'impression. Sachant que nous avions 4 et 3, 7, nous avons 10 unités. L'armée principale, elle est là. Là, leur armée et leur ravitaillement, c'est pas ça. Du coup, je pense que notre armée est capable de la tailler en pièces. Ok, donc c'est plutôt une excellente chose.
Et après on améliorera nos javelots, je pense que ça va bien faire mal. Mais bon, je pense que je vais peut-être attendre encore un peu. Je vais peut-être juste attendre un tour de plus, le temps de mettre d'avoir mon arme en position. Ah, il y a eu des rebelles irlandais ici, ça m'intéresse. Donc je pourrais prendre Lismore. C'est des rebelles irlandais, ouf. Vous avez vu la taille? Bonjour, c'est le voisin. Du coup, ça nous fait un petit pied dans la province que nous allons savoir. Bon, là, je ne vais pas vous montrer cette bataille. Hein, même. J'occupe tout de là, je suis pas un enfoiré. Bâtiment de demande réparation, donc c'est une mine. Ça fait toujours un peu plus d'argent. Et du coup, on pourrait récupérer le village d'Ardmore, Cluen. Ouh, alors attendez, Ardmore. Donc là, ça serait où? Le village d'Imbeck Iber et Kaizil. Ok. Alors, bah, ça sera tout. On grignote, hein, tranquillement, mais sûrement. Mais déjà, virer un des vassaux, ça serait une bonne chose parce que ça va perdre un peu la... Il va perdre un peu en puissance, ça serait toujours ça utile. Et après, s'il faut que notre vassal Ulia qui veut pas revenir, bah tant pis. Alors. Maître de la guerre projectile, excellent. Je pense qu'on va développer un petit peu de civil maintenant. Je pense notamment à l'agriculture pour construire des villas, ça peut toujours être bien. Ou alors communauté. Bah non, villa, c'est pas mal. Donc on a deux gouverneurs de plus qui passent des rangs. Ça nous refait gagner des sous. On est monté à 950 de revenus, c'est toujours ça de prix. Donc lui, je vais l'avancer un petit peu. Ça va être une guerre assez éclair, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Mouma, c'est là, c'est normal, c'est en même temps. C'est là où on a capturé. Ah, Kaizil, il commence à s'affaiblir ou c'est une impression? Il va se barrer si je fais ça. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre à sa frontière. Je vais essayer de menacer Agabo. Ah oui, mais il faudra plus d'un tour pour prendre la cité, c'est ça le souci quoi. Donc je vais me mettre à sa frontière, on verra comment il réagit. Et après, là-bas il va regagner un peu de troupes je pense, ça semblerait normal. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre là. Et prochaine saison à l'attaque. Je prends tout de suite Tuam Grain pour régler le problème. Et je pense qu'on va devoir affronter l'armée principale du vassal. Mais si on peut s'emparer d'un autre village, pourquoi pas. Déjà on en aura deux sur, peut-être trois, avec un peu de chance. Ils seront vers machin truc, très bien. Gardien de troupeau, oui. On gagne des bons. On gagne des bons traits, là, c'est plutôt plaisir. Là, je vais sauvegarder. J'espère que là, la guerre va reprendre de plus belle. En espérant que Eliak nous suive toujours. Très bien. On occupe Tuam, Tuam. Hop. Récupère des sous. Et ici, alors, son arme se reforme. Bon, vu l'état de son armée, bon allez, ça vous fera une petite bataille, je vais vous la faire. Donc on se retrouve pour la prise du village d'Inis et donc je retrouve pour l'assaut sur le village d'Inis Ketek. Donc j'ai déployé mon armée de la manière suivante, j'ai mis toute mon infanterie en promenade, donc avec mes lanciers, mes bretteurs et mes hacheurs, pour essayer de bien tenir, même s'il n'y a pas de carry. Derrière eux j'ai mis tous mes tireurs, donc les cairns javeliniers que j'ai oublié d'en placer, il faudra que j'y pense, ainsi que les archers. Derrière eux, j'ai mis les cavaliers en code de Maillerick, donc c'est la nouvelle unité dont je vous parlais. Ils sont quand même classe, hein. Et les gardes du corps de mon général, donc cavaliers de l'entourage. Et en première avant-garde, j'ai déployé mes cairns à cheval, donc ça peut toujours être utile. Et en plus, ils sont cachés, donc on pourrait faire des petites surprises. Donc on se lance à l'assaut. L'infanterie de mêlée légère est efficace pour attaquer le flanc ennemi. Son infanterie lance projectile. Donc là, il va se replier dans la forêt, j'ai l'impression. Donc ce que je vais commencer à faire avec les cairns à cheval,
c'est que je l'ai déployé de forêt en forêt. On va tester un petit peu leur réaction. Les batteurs pilleurs sont plutôt pas mal, hein. Ils sont beaux. 42 compétences en mêlée. Donc ça, les conseils, on a compris. Donc ils ont mis tous leurs javelots en première ligne, il semblerait. Est-ce que j'avais repéré des archers ici? Il y en avait deux, je crois. Alors que le général est sur un flanc. Attention à ça. Donc là, je pourrais m'occuper des valets d'écurie si j'ai envie. Donc là, ils vont peut-être nous forcer à attaquer. Ça semblerait logique. Ouais, ils commencent à tirer déjà. Donc ce que je vais faire... Je vais voir où sont leurs archers et je vais tirer avec les miens sur leurs tireurs. Ils peuvent nous tirer dessus, je m'en moque. Avec la cavalerie, je vais commencer à les faire un petit, une petite surprise. On prend quelques pertes, mais c'est plutôt acceptable. Alors, où sont les archers ennemis? Il y en a un là. Et j'ai repéré l'autre unité ici. Ok, on va leur tirer dessus, on va leur rendre leur monnaie de leur pièce. Hop, ils prennent des pertes, ça y est. Ouais, hop, là ils se sont mis en défense, c'est bien. On a perdu combien d'hommes dans tout ça? 19, ça va. On va s'occuper de tous leurs tireurs tranquillement mais sûrement. Un pylône. Et après on fera une charge massive pour en finir. Archer, visez ça. J'avais pas repéré cette unité là. Ils sont tellement bien cachés. Ok, c'est bien, ils redéploient leurs troupes, ça m'arrange. On a combien de portées avec nos Chaldiciens? On a 80 de portée et eux 80 aussi. Donc allez, on va jouer la supériorité de la cavalerie de javelot. Ah ça, ils vont nous charger. Attention. Mur de bouclier, vite. Mur de bouclier là. Mur de bouclier. C'est bien, venez, venez. Javelot, tirez sur le général adverse. On va s'occuper de ça. Et nos kerns vont venir dans le dos. Allez, hop, ramasse tes dents. Oh là là. Javelot, qu'est-ce que vous faites? Là, il se passe un petit peu n'importe quoi, donc je vais faire attention. Je vais commencer à flanquer. Oh les lanciers, ce qu'ils mangent. Contrecharge, allez, feu. Et il a eu chaud leur général adverse là. Ah bah parfait. Leur général là, ça va commencer à se compliquer pour eux. Et nous, on va casser nos défenses et on va charger. Ils vont mal finir. Là, notre supériorité tactique est totale. L'ennemi va être complètement encerclé normalement. Ce que je vais faire, je vais dire à mes tireurs cette tirée là. C'est bien, c'est bien. Allez, cavalier, c'est réglé. Je fais attention à l'unité de cavalerie de Jago que j'avais repéré un moment. Bon là la charge elle est dévastatrice. Donc on va s'occuper de ça. Et de ça. Je veux dire à Meteor de stopper le tir pour éviter des TK. Inutile. Parfait. Allez dans le dos. Là la cavalerie qui nettoie les résidus de tireurs.
L'ennemi complètement encerclé, donc c'est fini. Ça va, on a perdu que 74 zones, c'est plutôt acceptable. Et c'est une victoire. Parfait, du coup, le village d'Niskateg tombe entre nos mains. Et ça détruit normalement un peuple. Toi, Douma n'existe plus. Alors, est-ce que je pousse ma chance? Bon, ils ont perdu un des vassaux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, j'ai mon général qui a pris un rang. Je vais lui rajouter plus de ravitaillement ici. Mais est-ce que, alors, Ardmore, c'est le deuxième village. Est-ce que je prendrais juste Ardmore, ça devrait suffire. Je pense que je vais faire ça. Je vais pas aller trop loin non plus. On récupère la moitié de la province. Ah oui, il y a encore ça à prendre aussi. Et j'essaie de proposer la paix. Normalement, je pense qu'il voudra. Je n'ai pas de temps à perdre. Faites court, cela. Parfait. On a détruit des vassaux. On a consolidé notre position dans la province de Mouma. Donc il faudra se remonter vers le nord. Tout en laissant une armée là où il faut. Donc je pense que c'est plutôt bien. Donc on a des loyautés qui se sont affaiblies d'un coup. Alors je vais regarder un peu, c'est dû à quoi? Je pense pas que c'est dû au gouverneur. Mais plutôt au domaine. Donc on en a combien? Alors on a des loyautés à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, je vais lui donner ça. Hop, j'avais repéré d'autres loyautés défaillantes. Je vais prendre les plus basses. Donc j'en ai plusieurs à 3 ici. Ok, donc toi, tu vas me prendre ce domaine là. Toi, tu vas me prendre ce domaine là. C'est vraiment un jeu d'équilibriste, hein, aller récupérer les nouveaux domaines. Et je pense que je sais tout ce que je peux faire pour le moment. Donc j'ai vite donné des domaines à mon roi pour le moment. Sinon ça me posait quelques petits soucis. Donc je crois que j'ai encore un général à 3 quelque part où j'ai rêvé. Non, pour le moment j'ai plus de généraux à 3 de loyauté. Ce qui est plutôt excellente nouvelle. Ok, donc ce qu'il faudrait faire lors de la prochaine guerre, c'est récupérer la cité fortifiée Glimrekkr. Donc excusez-moi si j'ai un peu de mal à le dire. Pourquoi pas monter sur Saiger et Agabo. Et faire attention au sud, hein, évidemment. Donc là, on a des rebelles irlandais qui sont toujours occupés. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc voilà, je pense que je vais cesser l'épisode là. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Attendez, peut-être améliorer notre village encore, non? Est-ce que je mettrais pas une garnison à Mid, vu que c'est à la frontière? Et c'est notre capitale en plus. Oui, je vais faire ça, je vais mettre une garnison. Et du coup, c'est la fin d'épisode 9 sur Throne of Britannia avec le royaume de Mid d'Irlande. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Total Arcosium. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.